私は選ばれた宇宙の独裁者だ。私はこの地球が欲しい。連れてこられた恐怖の怪獣サタンキング、そして悠久の眠りから叩き起こされ、その上子供も殺されて二重の怒りに暴れ狂うマグラ。スペクトルマンはその二頭に決死の対決を挑んだ。怪獣マグラーは弾丸の前に倒れたかに見えたが、しかし不死鳥のように生きていた。宇宙怪獣サタンキングのために腕に傷を負ったスペクトルマンは、地底怪獣マグラーの行く手を阻止するために捨て身の攻撃に出た。S'ils n'ont aucun impact sur lui, on croirait qu'il est blindé. Que faire alors ? Une diversion. Feu à volonté. Regardez bien, le monstre va déguster. Douce à l'arrière. Je dois utiliser une tactique énergique si nous voulons l'éliminer. Quelle tactique ? Faire exploser nos camions de munitions. C'est la seule façon de réussir. Préparez-vous à faire sauter les camions de munitions qui sont près du monstre. Vous êtes prêts ? Feu ! Hé ! Il se croit au 14 juillet ? Ah, c'est certain ! Mais il est encore vivant. Ah. Ça a été un joli numéro. Oui, en effet. Excepté que le monstre n'a pas été tué, qu'il est retourné sous la terre. Ouais. Quelqu'un a-t-il vu Georges ? Oh, il ne devrait pas être bien loin, je suppose. Oh, il n'est jamais là quand il se passe quelque chose. Oui, vous savez, je me demande si Jojo ne serait pas un froussard. Eh, dis donc, John, tu t'es jamais regardé ? Mais moi, j'ai du charme. Vous n'êtes pas drôle du tout. Supposez que Georges ait eu un accident. Elle a raison, il faut le chercher. Ah, oui, allons-y.
Regarde-le, Karras. Oh. Le grand héros a mordu la poussière. Mordu. Grandeur et décadence. Maintenant, nous le tenons à notre merci, maître. Je vais envoyer Roi Satan pour en finir avec lui. Pas si vite, Karras. Il faut entraîner Roi Satan avant. Voilà ce qu'on va faire. Comme qu'est-ce que je fais? Un direct au menton. Un autre foie. Un autre petit. Arrête de stupidité. J'ai beaucoup mieux que ça pour abattre Spectreman. Je ne suis pas assez bête pour croire qu'il a perdu tous ses pouvoirs et qu'on peut le faire tourner comme une girouette. Oh, vous avez raison. Oui, Roi Satan va aller dans le laboratoire pour un traitement intensif. Je vais le soumettre à un bombardement constant de son et de lumière. De son et de lumière. Jusqu'à ce qu'il devienne fou. Fou furieux, tu entends? Oh, ça c'est dangereux, il pourrait s'énerver. Quel idiot tu fais, Karras. Bien sûr qu'il va s'énerver. C'est ce que je souhaite, tu ne peux pas le comprendre. Oh non, je n'avais pas compris. Oui, Karras, tu vois, la folie furieuse va augmenter ses forces pour détruire le monde. Et comme Spectreman est diminué, rien n'arrêtera Roi Satan. Ah non, rien. J'aurai enfin ma victoire. Mon génie sera à jamais invincible. Est-il arrivé? Et ton bras, qu'est-ce qu'il a? Oh, bon sang. Oh, il est mal en point. Doucement. Il est cassé? Ah, le monstre, il faut suivre sa trace. Mais quelle trace? Il s'est enfoncé sous terre pour se cacher. Ah, il n'est pas prêt de remonter, on en est débarrassé. Ne croyez pas ça. Il veut venger la mort de son petit. Il ne renoncera pas si facilement. Ah, tu es ridicule. Non, il a raison. Le monstre a un petit, nous l'avons vu. Le monstre rampe sous terre. Nous pouvons suivre sa trace sur un sismographe. Sachez que le monde est en danger. Il faut en être conscient. L'armée ne peut rien faire de plus, alors ne perdons pas de temps. Oui, je crois que vous avez raison. Je dois admettre que vous avez de bonnes idées, mais je suis le chef et vous allez filer à l'hôpital pour soigner votre bras, c'est compris? Écoute-le, Georges, il te faut un médecin. Je n'ai besoin de rien. Je monterai la garde ici pendant que vous allez chercher vos instruments. Mais ton bras... Ne perdez pas de temps, foncez. Bon, allez, venez avec nous, allez. Laissez-moi. Allez, laissez-moi, je vous dis, allez, foncez. Voiture. Bon, ben, bonne garde. Dépêchez-vous. Si ton bras tombe en combat, ça sera de ta faute. Merci. À tout à l'heure. Mon bras est inutilisable. Que vais-je pouvoir faire? Ordinateur appelle Spectreman. Transmutation immédiate. Je suis prêt. Étant donné votre invalidité, nous vous envoyons une arme spéciale. Elle remplacera avantageusement votre bras malade. Quelle sorte d'arme? Il s'agit d'un spectrocolle. Et nous vous avons programmé pour le manier avec adresse. Soyez très prudent, faites attention en vous exerçant. Parce que sa puissance de feu est aussi redoutable qu'une grenade atomique. Je comprends. Je ferai de mon mieux. Passez vite, Spectreman. L'usage de ce spectrocolt demande un sérieux entraînement. La précision du tir est de la plus haute importance. Sans elle, vous pourriez blesser involontairement des innocents. Et même vous toucher aussi. Bien. Nous avons repéré un grondement dans votre zone. Merci, commandant. Arrêtez la voiture. Vous avez entendu? C'est sûrement Magula. Un train, il est en danger, il faut l'arrêter, fonçons. Vous restez ici, moi je vais avec John. Plus vite. Allez. Stop! N'avancez plus! Stop!
Caras, amène roi Satan. Il est prêt pour sa grande mission. Renvoie-le sur la Terre. Oui, pour tout détruire. Voici un flash urgent. Une étrange créature monstrueuse vient d'apparaître dans la ville et détruit tout sur son passage. On demande au public de gagner les abris et d'attendre de plus amples informations. Comment a-t-il été si vite? Ah oui, il était dans cette zone et il est rapide comme l'éclair. Que faisons-nous, chef? Retournons en ville. L'ordinateur avait raison. Il faut du temps pour s'adapter à cette arme. Je ne veux pas blesser des innocents. Je suis presque prêt, mais il vaut mieux s'entraîner encore une fois. Pendant que Spectreman perfectionne la précision de son tir, Roi Satan poursuit sa mission de destruction. Il ne faut pas tarder. Vous êtes parfaitement habitué à l'arme. Roi Satan a déjà causé des ravages indicibles et Magula va aussi se mettre de la partie. Ensemble, ils vont raser la ville. À vous d'agir. Arrêtez-les. À vos ordres. Décidément, Gori est un fou. Il se sert de son génie malfaisant pour imposer sa règle. Renoncera-t-il un jour? La cible est en vue. Même l'aviation est impuissante. Les missiles ne peuvent rien. Thank you.
Oui, espérons qu'il tient la forme maintenant. S'enfuit, c'est curieux. Peut-être n'est-il pas encore rétabli. Bon, inutile d'attendre, allons-y. D'accord. Entraîné ici, stupide créature, dans le but de te détruire. Je ne voulais pas risquer de toucher des innocents. Ici, il n'y a aucun danger. À nous deux, monstres hideux. Joli combat entre Spectreman et celui qu'on appelle Roi Satan. Maintenant, nous allons voir qui est le plus fort. Qu'attend-il pour éliminer ce stupide cyborg? Non, non, Magula. Ce n'est pas à toi que j'en veux. Tu souhaitais seulement venger la mort de ton petit. Maintenant, Roi Satan n'est plus rien. Et tout est fini. Pourquoi nous battrions-nous, toi et moi, puisque tout est en ordre? Retourne chez toi, Magula. Tu auras d'autres petits. Va en paix. Non, Magula, rentre chez toi. Magula, comprends-moi bien, je ne veux pas te tuer. Rentre chez toi. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Tu ne me crois pas. Je veux être ton ami. Non, Magula. Oh,
laisse pas le choix. En dépit de la bonne volonté de Spectroman, Magoula a trouvé la mort, victime d'une fureur qui avait transformé un animal pacifique en une force de destruction. Les deux monstres sont éliminés. La ville a retrouvé son atmosphère souriante et paisible. Mais les apparences sont trompeuses. La pollution envahit de plus en plus l'air, les océans et la terre tout entière. L'humanité en prendra-t-elle enfin conscience? Je suis désolé, Magoula. Vous avez été victime, toi et ton petit, de forces démoniaques qui veulent prendre le contrôle du monde. Pardonne-moi de ce que j'ai été obligé de faire. Que nous prépare encore le docteur Gori. Ne manquez surtout pas le prochain épisode de Spectroman. わー私は科学者宇宙だ。